Good morgen, allez, Iden et Tusroi, aujourd'hui, l'Irfuat le Israël Shimon ben Chaya Esther, Inon Chai ben Jessica, Shmuel Meir ben Miriam Serlebetoch Charch le Israël. Si vous souhaitez, vous aussi d'aider nos prochaines études de Mishnah, complétez la 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet Psachim, Perek Aleph, Mishnah Zain, Amar Rabbi Meir, Medivrehem, Lamadanou, Shesorfin, Truma Tehora, Imat Mea, Bapesach. Amar Rabbi Yossi, Enahi Amida. ומודים רבי אליעזר ורבי יהושע ששורפין זו לעצמה וזו לעצמה. על מה נחלקו? על התלויה ועל התמאה. שרבי אליעזר אומר, תשרף זו לעצמה וזו לעצמה, ורבי יהושע אומר, שתיהן כאחת. On a une משנה un petit peu compliquée devant nous. Faites quelque chose de très bien, éteignez les téléphones, concentrez-vous, ça va pas être très long, maximum. 5 minutes pour expliquer le nœud compliqué, et après, la Mishnah, elle va aller très vite. Bezrat Hashem. Cette Mishnah est la suite directe de la Mishnah d'hier. Hier, en fait, on a pris un sujet qui était hors sujet avec Psachim, mais on introduisait une notion qui va être traitée, développée, et de laquelle on va déduire une halakha pour notre Mishnah. À savoir, d'abord, je vais vous faire ça comme ça. On est en train de parler... de manière générale, de la Tourma, la Torah, elle a imposé, Hachem, il a imposé, « Va'ani natati lachem et mishmeret tourmotai » Hachem, il a donné au Kohanim le privilège de manger sa Tourma, la Tourma, elle appartient à Hachem, en théorie. Hachem, elle a dit, bon, donnez-la à manger au Kohanim. Mais il a ordonné au Kohanim, je vous la donne à manger, mais vous la respectez, très bien, vous ne la gaspillez pas, vous ne la rendez pas impure, il faut bien la préserver qu'elle devienne pas impure, on n'a pas le droit de la gaspiller, il faut bien la préserver. Vani natati lachem et mishmeret trumotai. On aura l'occasion de parler du pasouk un peu plus tard dans la Mishnah. Donc, les Kohanim ont le devoir de préserver la trouma qu'elle ne sait qu'elle ne devienne pas impure. Question générale. Lorsqu'une trouma doit de toute façon être détruite pour X ou Y raison, sans devenir impur, est-ce que j'ai le droit, si déjà, de la rendre impure? À savoir, le cas qui est le sujet de notre Mishnah, où il y a une machloket justement sur ça, c'est, par exemple, une trouma à l'heure de fin de consommation du chametz. Je dois brûler la trouma, je dois brûler le chametz, je dois tout brûler, tout le pain qui me reste à la maison. Si j'ai du pain qui est de la trouma, d'accord? J'avais du blé qui était devenu trouma, le coin il a fait un pain, c'est un pain trouma, ou bien c'est même une chala aussi, la vraie chala, le prélèvement de la chala, qu'on donne à manger au Kohen. Il a une challah qui est pure. D'accord? Maintenant, et arrive l'heure de fin de consommation du chametz, de toute façon, il doit la brûler. Est-ce que le Kohen a une restriction quelconque de ne pas brûler cette trouma en présence d'une trouma ou de quelque chose d'autre d'impur? Est-ce que maintenant, lorsqu'il va les mettre ensemble dans le feu, pendant le premier instant, avant que ça va brûler, eh ben, la trouma, il va la rendre impure? Vous allez me dire, peut-être qu'il y a un interdit de la rendre impure. D'un autre côté, qu'est-ce que ça peut faire? De toute façon, elle est prédestinée à être brûlée, elle n'a plus aucune fonction. Une trouma qui n'a plus de fonction, est-ce que j'ai encore le devoir de la préserver, qu'elle ne va pas devenir impure ou non? C'est la grande discussion. Selon Rabbi Meir, c'est permis, parce qu'il veut dire, de toute façon, la trouma, elle n'a plus aucune fonction, elle n'est plus consommable, elle est prédestinée à rien, au feu. Qu'est-ce que ça peut faire si tu la rends impure, oui ou non? Hachem, il ne t'a pas ordonné de préserver une trouma qui est de toute façon, qui ne va plus être consommée. C'est la vie de Rabbi Meir. Rabbi aussi vient et va nous dire non, malgré tout, on ne rend pas impure une trouma. Voilà en deux mots le sujet de notre Mishnah, la marloquette qu'il va y avoir. Comment déduire ça de la Mishnah précédente? Alors là, c'est là où ça va devenir un petit peu subtil. Et on va re-rentrer dans la Mishnah d'hier, juste sur le premier avis de Rabbi Hanina Sgan Kohanim. A savoir, il y avait deux cas de figure en fait, Rabbi Hanina et Rabbi Akiva, où ce qu'on apprenait dans la Mishnah d'hier, c'était qu'il y avait une trouma qui était devenue avec un petit niveau d'impureté, et j'avais le droit de la brûler, même si en la brûlant, elle va devenir encore plus impure. Donc apparemment, elle était de toute façon impure, mais elle devient encore plus gravement impure. Par exemple, on avait le premier cas, c'est celui qui m'intéresse, Rabbi Hanina Sgan Kohanim, qui nous disait qu'on avait deux morceaux de viande, Kodesh, qui étaient donc... tous les deux devenus impurs, un qui était au niveau 1 et l'autre qui était au niveau 3. Un qui était au niveau 1 parce qu'elle était en contact avec une souris morte. Donc la viande, elle est devenue Rishon, premier niveau de Touma, dans la fameuse famille où il y a le Avatouma, Rishon, Shenishleji et Revi même.
Donc elle est devenue niveau 1, c'est un grave niveau d'impureté. On avait un deuxième bout de viande qui était lui-même devenu impur au niveau 3. Parce qu'en fait, il avait touché, il y avait eu un chérès qui avait touché un ustensile. L'ustensile était devenu richon. L'ustensile a touché un liquide de l'eau qui est devenu chéni. L'eau, elle a touché le morceau de viande, l'autre morceau de kadosh qui est devenu 3. Donc maintenant, j'ai deux morceaux de viande. Un qui est niveau 1, grave niveau, et l'autre qui est niveau 3, niveau moindre. Lorsque je vais les mettre en contact ensemble pour les brûler, le 3 va devenir 2, puisqu'il touche un 1. D'accord? Le 1 va le rendre 2, niveau 2. Donc plus grave, il va lui faire augmenter sa touma. Et malgré tout, Rabbi Hanina Sgan Kohanim m'avait permis de les brûler ensemble. Donc de là, on a appris quelque chose d'assez évident, c'est que quelque chose qui est impur, c'est pas grave s'il va devenir encore plus impur. Une trauma qui est impure, c'est pas grave s'il va le rendre encore plus impur. Ça, on l'a déduit. Mais la petite finesse, elle est là. Elle est que, en réalité, vous avez retenu l'histoire, comment je me suis retrouvé avec le morceau de viande qui était 3. Je vous ai raconté quoi? Qu'il y a eu une souris morte qui a touché un ustensile. L'ustensile, il a touché un liquide, et le liquide, il a touché la viande. Il y a en réalité une marloquette fondamentale entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Est-ce qu'un liquide qui devient impur, donc le liquide qui a touché, qui est rentré dans cet ustensile-là, qui était devenu richon, est-ce que réellement le liquide, il devient impur au point de rendre impur quelqu'un d'autre? Très grande discussion pour ceux qui ont étudié de la Fayoumi. Ça en a parlé très longuement. Très vaste discussion, il y a plusieurs avis. Mais il y a ici concrètement deux avis qui sont apportés. Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Est-ce que cette eau, maintenant, elle va rendre impur la viande ou pas? Est-ce qu'elle a la capacité de rendre impur? Il y a un avis qui va penser que l'eau ne peut pas, l'eau ou les Shiva Mashkim, ne peut pas rendre impur la viande. Lorsque l'eau est impure, c'est même pas évident qu'elle devienne réellement impure elle-même, mais en tout cas, véhiculer l'impureté à quelqu'un d'autre, c'est sûr qu'elle ne pourra plus le faire. Et l'autre va me dire, non, ma putain, l'eau peut rendre impure la viande. Vous avez compris? Alors maintenant, regardez ce qui se passe. Je reprends maintenant l'histoire. On a eu donc la souris morte qui a touché l'ustensile. L'ustensile a touché de l'eau. L'eau, maintenant, on a de l'eau apparemment impure qui va toucher de la viande. Si l'eau rend impure Minatora, alors il s'avère qu'on a une viande devant nous qui est niveau 3 Minatora et que je vais brûler avec niveau 1. Rien de grave. Mais si l'eau ne rend pas impure Minatora, alors il s'avère que le morceau de viande que j'ai appelé niveau 3, c'est que Midera Banan, en réalité, Minatora, c'est pur. Et là, Rabbi Hanina Sganakonim m'a appris quelque chose, que même quelque chose qui est impur que Midera Banan, Midoraita, c'est pur. Mais Midera Banan, c'est impur. J'ai le droit de le brûler et de le rendre concrètement impur. Vous vous rendez compte? Ça signifie que dès qu'il y a un interdit à la consommation, même si ce n'est pas intrinsèque, parce que si c'est que Midera Banan, c'est que ce n'est pas réel, la pure impureté. C'est juste une barrière supplémentaire que Rami m'ont dit. C'est-à-dire qu'intrinsèquement, cette viande, elle est pure. Minatora. Mais parce qu'elle est inapte à la consommation, parce que maintenant je ne peux plus la manger. Rabbi Hanina ben Asganim me dirait dans ce cas-là, bah tu as le droit de la brûler avec même une impureté niveau 1 et lui de la rendre pure Minatora à un niveau d'impureté niveau 2 Minatora. Donc tu peux la rendre impure. Ça, c'est la discussion qui est entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Selon Rabbi Meir, alors l'eau n'est pas impure Minatora. Ou ne véhicule pas d'impureté, Minatora ne va pas en impur le morceau de viande. Et de ce fait, Rabbi Hanina Sgan Kohanim, qui va me permettre de brûler le niveau 3 avec le niveau 1, il va me permettre de prendre quelque chose qui est pur Minatora, et de le rendre impur, parce que de toute façon, il est inapte à la consommation. Alors là, idem, qu'une trauma, à l'heure où elle devient, à l'heure d'interdiction de consommation, même si ce n'est interdit que Midera Banan même, parce que Minatora, ça peut durer jusqu'à plus que Khatsot, jusqu'à qu'on va dépasser Khatsot. Là, on n'est qu'à la sixième heure, au début de la sixième heure. Mais malgré tout, elle est inapte à la consommation. Rabbi Meir va dire, inapte à la consommation, ça y est, tu peux le brûler ensemble. C'est pas grave s'il va devenir impur. Puisque c'est inapte à la consommation, au même titre que la fameuse viande de Rabbi Hanina Sgan Kohanim. Rabbi aussi, lui, va me dire, non. Là, dans son histoire de Rabbi Hanina Sgan Kohanim, on parlait d'une eau qui véhiculait une impureté Minatora. Donc réellement, la viande, elle est à niveau 3 Minatora. Et quand elle est niveau 3, elle peut devenir niveau 1. Mais quelque chose qui n'est pas impur, tu ne pourras pas le rendre impur. Voilà pour la première moitié de la Mishnah. Deuxième moitié de la Mishnah, ça va devenir un peu plus simple, mais quand même, il va falloir réintroduire. Pour le moment, on traduit tout ça dans les mots. Amar Rabbi Meir, il a dit Rabbi Meir, midivrehem lamanu. De leurs paroles, je déduis, en réalité, c'est des paroles de Rabbi Hanina Sgan Kohanim. Je déduis que
chez Sorfin Trouma Tehora Imatmea Bapessar, que l'on peut brûler une Trouma pure avec une Trouma impure à Pessar lorsque l'heure d'interdiction, même Midera Banane, va arriver. Ben, je pourrais les brûler ensemble, puisque maintenant elle est inapte à la consommation, au même titre que Rabbi Hanina m'a appris que je pouvais brûler une viande qui n'était impure que Midera Banane, pas Midoraita, avec une viande qui était réellement impure, Minatora. Ok? Amar le Rabbi aussi, il lui a rétorqué Rabbi aussi, Rabbi Meir, Enaï Amida, c'est une mauvaise mesure, tu prends des choses qui ne correspondent pas, qui ne sont pas, comment dire, proportionnelles, qui ne sont pas parallèles. C'est pas vrai, ta déduction elle est mauvaise. Entre parenthèses, parce que Rabbi aussi, comme il nous le dit, Rabbi, vous regardez Barthénora si vous voudrez, que Rabbi aussi, lui, pense que l'eau, elle rend impure Minatora, donc la viande, elle est au niveau 3, Minatora, donc quelque chose qui est impure Minatora, tu as le droit de le rendre encore plus impure Minatora. Mais quelque chose qui n'est pas impure Minatora, tu n'as peut-être pas le droit de le rendre impur. Et Rabbi aussi vient et va nous évoquer maintenant une nouvelle machloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, d'autres Tanaïm encore, où il y a une certaine permission qu'on a découverte là-bas, qui existe là-bas. Peut-être que je mets de côté maintenant, et après on verra ça dans les mots. Je mets de côté les mots, et on explique d'abord le principe. Il y a une petite discussion, en fait, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, une autre discussion, à savoir une trauma que j'ai un doute, est-ce qu'elle est impure ou pas. C'est ce qu'on appelle une trauma tlouya, une trauma suspendue. Ni tu la manges, ni tu la brûles, t'as pas de... D'accord, elle est impure, elle est safek, elle est en doute. T'as un doute dessus, elle est tlouya, elle est suspendue. Est-ce que j'ai un devoir de la conserver, qu'elle ne devienne pas davantage impure, cette trauma? Il y a sur ça une certaine discussion, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer va me dire, Rabbi Eliezer me dit, même celle que tu as un doute, tu n'as pas le droit de la rendre impure. À savoir donc, si la tlouya, je ne pourrais pas la brûler avec quelque chose d'impur. Parce que quelque chose qui était dans le doute, est-ce que c'est un pur ou impur, peut-être que finalement, Eliyahu HaNavi va venir et va nous apprendre qu'elle est réellement pure. Dans le doute, tu ne peux pas la brûler avec quelque chose d'impur. Parce que tu vas concrètement, là, activement la rendre impure. Sur ça, c'est Rabbi Eliezer qui le pense, et Rabbi Yoshua, il va te dire, écoute. Alors là, il va dire, Hachem, qu'Eliyahu HaNavi arrive bientôt, mais pour le moment... Elle est inapte à la consommation, c'est pas grave, tu peux brûler ensemble. Mais c'est au moins parce qu'il y a quand même un sujet d'impureté, elle a été impurifiée à moitié. Mais quelque chose qui est concrètement pur, Minatora, même Rabbi Yoshua ne va pas le permettre. D'accord? C'est le principe, en deux mots, voilà ce qui se passe dans la Mishnah. Peut-être je le fais dans les mots tout de suite. Après on expliquera un tout petit peu plus encore, en rapport avec ce que le Bartholomew rapporte. Umodim Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, et ils reconnaissent l'un à l'autre, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, qu'il y a une certaine discussion avec un avis qui va être un petit peu plus permissif. Même celui qui est permissif là-bas, ici, il va l'interdire. Il va l'interdire. Chez Sourfin, Zolatma, Vezolatma, même, en réalité, Rabbi Yoshua, qui est de manière générale plus permissif dans cette question de l'impureté, de la trauma, il est plus permissif là-bas. Même là, il va reconnaître que Sourfin, Zolatma, Vezolatma, il va te dire de brûler la trauma pure et la trauma impure, chacun indépendamment. Alman Echleku, dans quelle situation on a trouvé qu'il y avait une certaine discussion à la tlouya ve à la tmea sur celle qui est impure dans le doute et celle qui est concrètement, réellement impure. Est-ce qu'on a le droit de les brûler ensemble ou pas? Shirabi Eliezer, Omer, Shirabi Eliezer me dit, Tisarev Zolatma ve Zolatma. Rabbi Eliezer, il vient, il te dit, tu continues malgré toi à les brûler, à les distinguer. Même celle qui est dans le doute, tu ne pourras pas la rendre certainement impure. Tu ne pourras pas le faire. Et Rabbi Yoshua Omer, Shten Karate. Sur ça, Rabbi Yoshua vient et me dit, non, tu as le droit de les brûler les deux ensemble. Parce que, puisque de toute façon, il y en a une qui est franchement impure, et l'autre qui a un doute, est-ce qu'elle est impure? Alors là, impure. Ils sont un peu cousins, c'est pas grave, tu peux les brûler ensemble. Mais quelque chose qui est réellement, foncièrement pur, avec quelque chose qui est impur, même si ils vont devenir tous les deux interdits à la consommation, tu ne pourras plus les brûler ensemble. D'accord? Pour mieux expliquer exactement la marque 4 entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, la discussion, en fait, elle provient sur le passage que vous avez entendu, comme je vous ai dit, Vanin atetelchem et mishmeret trumotai, au pluriel. Pas trumati, mais trumotai. Trumotai au pluriel. Sur ça, on a Rabbi Eliezer qui déduit que beshte trumot akatuv medaber. Le pasuk parle de deux trumot. La truma tehora va truma tlouya. La truma qui est pure, et même celle qui est tlouya, qui est suspendue, qui a un doute, est-ce qu'on est impur ou pas, qu'Hachem il a ordonné un interdit particulier.
Même dans le doute, tu continues à préserver ces lois d'impureté, même si concrètement elle est Tlouya. Elle a un doute, est-ce qu'elle est devenue impure? Et sur ça, Rabbi Yoshua pense que le Passouk parle d'autre chose, il a parlé que d'une seule Trouma. Et de ce fait, dès qu'elle devient impure dans le doute, alors elle prend un statut d'impure que maintenant tu n'as plus de devoir de la préserver. C'était pour la petite marloquette technique entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et donc du coup, pour revenir maintenant pour conclure, notre Mishnah, en fait, on a une marloquette Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Est-ce que la Trouma, à l'heure où elle devient interdite à la consommation Midera-Banane, est-ce que je peux la brûler avec une Trouma qui est de toute façon impure, ou bien je vais transgresser l'interdit de la rendre impure? Et je pense que la halakha est établie comme Rabbi Yossi, parce que toujours la halakha est établie comme Rabbi Yossi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.